un député du Jura, enfin un homme politique du Jura qui je ne sais pas pourquoi il en veut tant à ces deux femmes, mais bon, ça ouvre un autre débat, qui sont depuis 20 ans ensemble et qui veulent adopter. Oui. Adoption homoparentale. L'adoption, voilà, par des parents homosexuels. Oui. Et visiblement, ça lui pose un gros problème à ce monsieur. Et puis il y a beaucoup d'autres, hein, je comprends ça. Que ce soit, enfin, il y a débat, bien sûr. Je voulais juste dire que je soutenais de cœur ces deux femmes et puis tant d'autres qui attendent de pouvoir donner de l'amour à un enfant. Vous êtes concernée par le sujet, vous avez adopté. Oui, mais même avant d'être concernée par... voilà, parce que c'était mon propre cas, j'ai toujours eu cette réaction. Faut aller au bout des choses, je veux dire, à partir du moment où on leur reconnaît les mêmes droits, ce qui n'est encore pas gagné d'ailleurs, non, dans non, tous non, les non, domaines. Non, c'est simplement le droit de déposer, d'être accrédité. Voilà, mais je trouve que la société, à la fois, on voit les pas incroyables qu'elle a fait depuis quelques années vis-à-vis de ça, et en même temps des résistances qui sont tristes, qui sont, d'après moi, une méconnaissance très grande de ce que c'est que le désir, de ce qu'est le désir d'être parent. Voilà, même si j'ai envie de dire à tous, toutes celles et tous ceux qui attendent et qui espèrent, qu'il faut qu'ils continuent d'attendre et espérer, parce que tous les parents que je connaisse qui ont voulu, ils y sont arrivés. Voilà. Voilà, le jour où ça arrive, on oublie tout. On oublie tout, ouais. Voilà.